ooit geweten dat er in Frankrijk vulkanen bestaan? Ik bevind me op 10.000 kilometer van Parijs op Île de la Réunion, een Frans overzees departement. Een eiland dat naar boven is gestuurd uit de zee door vulkanische activiteit. En de twee vulkanen Piton de Neige en Piton de la Fournaise zijn nog steeds het boegbeeld van dit eiland. 50.000 jaar geleden, toen het vuur van de Piton de Neige bijna gedoofd was, ontstond er een nieuw vulkanisch massief, de Piton de la Fournaise. Met zijn 2600 meter de meest actieve vulkaan ter wereld. Elke 10 maanden spuwt hij lava uit. De Piton de la Fournaise borrelt nog dagelijks op. Zo dicht mogelijk bij dit verschroeiende wonder van de natuur komen is natuurlijk de uitdaging. Ik heb vandaag afgesproken met Aurélien, een vulkanoloog die mij alles gaat vertellen over de vulkaan. En ik heb echt geluk, want ik mag dichtbij komen vandaag. En de toeristen die staan helemaal langs de andere kant. Oh, dat is toch prachtig. Wauw. Aurélien, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais comme recherche? Oui, ben bonjour, je travaille en fait sur le son produit par le volcan. Oui. Et bien ici, je fais de l'acoustique sur la partie droite et sur la partie gauche, je mesure la vitesse des éjectas. Et le volcan, il dit quelque chose? Et le volcan, il dit que en fait, avec les différents instruments, on est capable de remonter à combien il y a de gaz qui sort en fait. On peut vraiment entendre avec l'oreille, c'est ça? On peut, en fait, on entend les explosions, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le son produit par la vibration de la bulle avant qu'elle explose. Et c'est ça qui nous intéresse et qu'on récupère pour pouvoir dire ce qui se passe à l'intérieur de la chambre. Mais t'es en danger chaque jour? Non, je ne suis pas en danger directement à cause du volcan, mais je suis en danger à cause des failles, parce que le terrain est ici très accidenté, et il y a des loupes de glissement, c'est-à-dire des décollements. Donc quand ça glisse, on doit faire la marche passe. Par là-bas, oui. Ah oui, ça va. Mijn adrenaline pompt door mijn lijf bij het nemen van dit ultralichte vliegtuig. Zo'n klein vliegtuig is natuurlijk de meest fantastische manier om La Réunion te overvliegen, want je kan alles van zo dichtbij zien. La Réunion is niet zo heel groot te vergelijken met de provincie Antwerpen. Omdat het eiland heel bergachtig is, kan je niet overal komen. Maar dat lap ik bij deze aan mijn laars. Op deze plantages groeit het wel degelijk. Massas suikerriet. 6 maanden per jaar wordt er geoogst met de hand. En tegenwoordig meer en meer machinaal. Bij ons zou zoiets ondenkbaar zijn als toeristen rondlopen op een fabriek volop in actie. Het is er super lawaaierig, maar het ruikt er heerlijk zoet. On peut le manger pur, le canne? Oui, bien sûr. On enlève ce qui est vert autour et on mâche ce qui est blanc à l'intérieur. Et c'est très sucré. C'est très bon. Ah oui. Et toi, tu en as mangé beaucoup? Oui, j'en ai mangé quand j'étais petite. Ma grand-mère, à un moment donné, pour le goûter. De smaak van rietsuiker ken ik natuurlijk, maar het is voornamelijk de rum die mij interesseert. De mensen thuis maken hier allemaal hun eigen rum. Ze nemen gewoon witte rum en gooien daar fruit en kruiden bij. Je peux essayer celui-là? Oui, bien sûr. Le rum arrangé. Rum arrangé of murpee. Tching, tching. À la Réunion. À la Réunion. Tching, tching. Oké, tijd voor wat actie. Voetjes van de grond.
En mijn hart maakt nu al een sprongetje, want dit is echt de allereerste keer dat ik zo parapente ga doen. C'est parti! Door! Zo moet het dus voelen om als vogel door de lucht te vliegen. Het voelt niet beangstigend, integendeel, ik word er juist rustig van. Echt ideaal om de koraalriffen van de Indische Oceaan te bekijken. Ik kan me heel goed voorstellen dat dit zwaar verslavend kan werken. Hallo Philippe, bon, merci. Oui, merci. À la prochaine. Oké, Lotte, au revoir. De kust is ruig, de stranden meestal vulkanisch. En dat kan wel eens pijn doen aan je voeten. Maar in Saint-Gilles-les-Bains is er een zandstrand waar je makkelijk kan zwemmen. Ik zoek het liever een beetje dieper. 12 meter is al diep genoeg om je te laten verrassen door al dat moois onder water. Daar waar je enkel je eigen ademhaling hoort. De plaatselijke bevolking, de Creolen, staat de zee gelijk aan haaien, piraterij en cyclonen. Geen wonder dat de meeste inwoners van La Réunion liever gaan wandelen dan het water op te zoeken. Maar er zijn er natuurlijk altijd die er echt wild van zijn. In de 17e eeuw woonden vooral Fransen, Afrikanen, Chinezen en Indiërs op La Réunion. De Creolen van nu zijn een mix van al die verschillende rassen. De meeste van hen zijn katholiek, maar de vele moskeeën, Chinese pagodes en Hindoeïstische tempels verklappen dat er nog meerdere godsdiensten worden beoefend. In Entre-deux wijst de eigenzinnige kakoek me op de Creoolse bouwstijl. De karakteristieke case créole. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Là ici, on va découvrir donc la petite case créole. Elle a un auvent sur l'ensemble de sa façade. On retrouve aussi le lambrequin. Le lambrequin a différents motifs. Le lambrequin peut représenter une fleur, un arbre, une liane. Là, c'est un lambrequin en goutte d'eau. Mais par contre, ici, il joue encore son rôle qu'il jouait à l'époque. Parce que le lambrequin à l'époque était mis à la base de l'atoll. Il servait à égoutter l'eau de pluie et décorer l'habitation créole. Mais l'architecture créole nous ramène souvent vers l'époque de la marine à voile. Ils ont conçu les habitations en fonction de leur bateau. Ce style d'habitation, si vous renversez le toit... Il y a un bateau ? C'est une ancienne cale d'un ancien navire. Mijn gids Kakouk is een kleurrijke persoonlijkheid. Hij loopt altijd op blote voeten en werkelijk iedereen kent hem. Hij is de kruidendokter van de regio en kent alles van planten en bomen. Voor elke kwaal heeft hij een middeltje. Van boomschors en bladeren maakt hij een mix die helend werkt. Et pour moi par exemple, je suis souvent enrhumé. Ben enrhumé, on va utiliser d'autres plantes comme je retrouve ici. Mais là, c'est déjà mis en sachet. Les gens vont l'utiliser principalement. Là, c'est pour dégager le rhume des bronches, le rhume de la sinusite, de refroidissement, les coups de froid. Mais ça, donc moi, je mets ça dans l'eau à la maison. Je bois des litres. Non, t'as pas besoin de boire des litres. Là, tu fais généralement une cure de 3 jours. Si ça va pas, tu peux monter jusqu'à 8 jours. Mais généralement, au bout de 3 jours, tu devrais avoir des résultats. Oui, ouais. J'espère. Ben, moi aussi. Helemaal geïnspireerd door bomen en kruiden bezoek ik de Jardin des Parfums et des Épices in Saint-Philippe. Je vindt er meer dan 1500 planten, de ene al exotischer dan de andere. Ah, là je vais vous montrer quelque chose vraiment très important à La Réunion, c'est les laitis. Et je vais grimper d'ailleurs dans l'arbre et vous chercher quelques fruits. Vous verrez, c'est vraiment génial et surtout un arbre mythique, on va dire, à La Réunion. Comme vous voyez là, on casse avec les feuilles. Regardez ces beaux fruits. Bien souple, hein? Comment ça se passe? Ah, toujours souple. Oui. Mais je suis né dans un arbre à laitis. Ah oui? Goûtez ça, vous verrez. Voilà.
Vous savez, les laitiers à La Réunion, sur un tel arbre, par exemple, peut ramasser des centaines de kilos. Et à La Réunion, il n'y a pas de Noël, fête de fin d'année sans laitchi. C'est quand ces arbres-là commencent à rougir le paysage que les marchands s'installent à tous les coins de rue, à la crier laitchi, laitchi pour les vendre. C'est bien là que les gens changent et on sent Noël à plein nez. Donc c'est un arbre de Noël où les ballons sont déjà dedans, en fait. Presque ça, voilà. La spécificité de ce jardin, c'est que des gens du monde entier qui sont arrivés, on va dire, sur l'île, ont accosté avec des bateaux qui venaient d'un peu partout dans le monde, ont ramené des plantes. Mais aussi, sur ce site, on n'a pas détruit ce qu'avaient d'autochtones, ça veut dire ce qui ont accueilli l'homme à leur arrivée sur l'île. Ces plantes qui étaient carrément comité d'accueil. C'est un peu comme la population, en fait, de La Réunion, c'est ça? C'est exactement ça, puisque La Réunion, c'est vraiment un made in pot. C'est des gens de partout qui sont arrivés sur l'île. Et c'est vraiment la réunion des peuples, on va dire, ici. Là, une très jolie plante qui est endémique de La Réunion, qu'on trouve au monde que sur l'île de La Réunion. Ça veut dire que cette plante-là vient disparaître de La Réunion. C'est une espèce qui disparaît de la planète. Cette plante s'appelle le tanguin. C'est l'une des plantes les plus poisons qu'il peut y avoir, on va dire, sur l'île. Une de ses feuilles peut tuer quelqu'un tellement que la plante, elle est poison. Une de ses feuilles comme ça? Une feuille comme ça. Vraiment? Et vous savez, nos ancêtres à Madagascar, à l'époque de la royauté, l'ont utilisé pour ce qu'ils appelaient le supplice de la vérité. Pour savoir quelqu'un avait menti, avait volé, avait tué selon le roi, on lui donnait des feuilles de ça à manger. La personne résistait à signe de Dieu comme quoi elle est innocente. Si elle mourait, à signe de Dieu comme quoi elle est coupable. Et incroyable, les rois, ils ont dû avoir raison, dément, donc des coupables. C'est ça. Ah, vous l'essayez? Non. Ok. En daardoor zijn er nog vele onherbergzame gebieden helemaal afgesloten van de buitenwereld. De natuur op La Réunion is groot en krachtig aanwezig. De meeste toeristen komen niet echt voor het strand, maar voor de bergen en de actieve sporten. Ik ben onderweg naar de top voor mijn allereerste canyoningervaring. En zo beëindig ik mijn reis door La Réunion in een groot bad van gelukzaligheid.